Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations pour nous attaquer à l'épisode 5, épisode exclusif à la version DS. La dernière fois, petit résumé, non même pas la dernière fois, résumé rapide de l'épisode 4, nous avons incarné Mia Fey dans sa première affaire. J'avais déblaté un plein de conneries comme quoi tous les twists étaient niqués et qu'il aurait fallu tout foutre au début. Mais ça, c'est si vous voulez le regarder, ça dure deux épisodes. Donc nous avons découvert que notre protagoniste, enfin notre client, qui était ce personnage qui se trouve en haut à droite de la photo qui est sur un pont, était accusé d'avoir tué la policière qui le pointait avec une arme. Sauf que nous avons découvert que Dahlia Plantule, de son vrai nom, sauf que dans l'affaire je sais plus comment elle s'appelle, avait tué Edan, la flic qui est en plus sa sœur, et elle fait pas porter le chapeau sur... le prisonnier, dont j'oublie comment il s'appelle, et a voulu s'emparer d'un caillou qui vaut quand même 2 millions d'euros. Normalement, c'est des yens, on s'en fout. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'à la fin, elle était traumatisée parce que son client s'est suicidé, et Dahlia Plantule a été relâchée. Voilà. Et notre ami Godot s'appelait en fait, je ne sais plus, mais il boit du café et il expose une tasse de café à la fin. Voilà, c'était le résumé rapide. Donc, du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à la première partie de l'épisode 5. Je parle extrêmement vite, ça doit être désagréable, je m'en excuse. Et pendant les phases où il se passera rien, je voudrais vous parler de mon ressenti personnel sur l'anime Phoenix Wright, enfin Gekuten Saiban, donc l'anime de Phoenix Wright qui est adapté du volet 1 et 2. Vous voulez dire ce que j'en pense? Voilà, c'est parti. De très très belles paroles. J'insiste sur le défilement de haut en bas, sur les multiples, je ne sais plus comment je les appelle, de la lame qui représente le destin. Cette métaphore est extrêmement belle, car tout le monde sait que notre vie, imaginez votre vie est une ligne. Vous naissez, donc c'est le point A, et votre mort c'est le point B. Quoi que vous fassiez, en fonction de vos choix et de vos décisions, la ligne de nouvelles lignes se créent à chaque décision. Sachant que celle-ci vous rapproche plus ou moins du point B, donc de votre mort. Le destin est implacable et c'est ce que cette... les ramifications, voilà, les ramifications de l'épée représentent la vie. J'adore. Instant culture. Donc Maya, alors qu'est-ce qui se passe? Oui, tu as des pouvoirs spirituels et spirituels. Dégueulasse. Très métaphore dégueulasse, c'est insinué que je ne travaille pas. Elle est là. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Waouh. Ah, le jeu de mots, je l'ai compris, c'est occulte. Occulte. C'est un jeu de mots, tu vois. C'est drôle, rigole putain, mets un pouce bleu si t'as trouvé ça drôle. Maximum vos pouvoirs spirituels en une seule soirée. Ouais, j'y crois à mort. C'est un attrape-nigo.
Ouais. Parfait. Bah, et bah vas-y. Bah, je pense que on va y aller, hein, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. C'est incroyable. Faut réserver pour un temps. Et qui paye? Moi, la question que je me pose, c'est qui paye? Ça alors? Nous sommes pauvres. Et oui. La ferme. Ah, parce que bah si tu n'y vas pas, il n'y a pas d'histoire. Évidemment. LOL. La télé, c'est une blague. Oh putain. Waouh. Je suis excité à cette idée. C'est beau. Non, j'irai pas. Je reste à la maison. Nani. De qui le hoste? Tintintin. Premier twist. J'en suis qu'à 7 minutes. Le jeu n'a même pas commencé depuis 5 minutes que déjà, pof, twist. Cette fille, c'est... Connasse numéro 1. On va l'appeler connasse. J'avoue que ce breakdown est... Ce breakdown est à la fois nul et en même temps subtil. C'est bizarre. Mais c'est impossible. Impossible. Elle a été condamnée et devrait encore être en train de purger sa peine. Je vous accompagne, posez pas de questions. Allez, go. Non. Ça va chier. Dahlia Plantule. Cette nonne. Oh, c'est beau. Quelle va être la musique ? Très beau, même si j'avoue qu'au début on pense que on dirait qu'il y a une pédale. Au début il y a une pédale. C'est beau. Voilà, elle a attrapé froid. Madame, t'es grosse. Qu'est-ce que tu prends? Oui, qui es-tu? On ne dit rien. Exactement. Ah, c'est ton nom de temple. Effectivement. C'est une façon de voir, je ne juge pas. Après, je pense que... Non. Ah, lol. Thank you.
Tu m'as l'air un petit peu beaucoup pressé. Oh, et donc parle-moi de ce dojo de spiritisme. Je vous emmerde. D'accord. Quel type d'objet sacré? Je comprends à peu près. Enfin, à peu près. Ouais. Est-ce que c'est techniquement possible de répéter 30 000 fois un truc toute une nuit? Tout dépend de la longueur de ce qu'on répète. Donc, je voudrais que tu me parles de l'autre homme sur cette affiche. Enfin, qui approche cette photo. Alors, on te voit toi. Oui, c'est qui l'autre? Iris, ah, ça y est. Troisième nom. Alors là, les gens, on peut considérer que c'est usurpation d'identité. Où se trouve-t-elle? Que je lui pète ses gueules. Cette Iris, elle est où? Elle est où? Non. Je vais te défoncer la gueule. Fuck. Ok, un peu de répit. Elle est au temple, hein. Elle est au temple. Tu te fous pas de ma gueule. C'est pas ce que je voulais faire, examiner. Il y a une porte. Enfin si, il y a une porte. C'est une porte. Popopo. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, il est où le truc intérieur? Pont suspendu. Ça me rappelle un souvenir. Du néon, waouh. Du néon. Alors, est-ce que l'affaire 4 est pour nous amener à... Je refais ma phrase. Est-ce que l'affaire 4 est censée nous amener des réflexions sur l'affaire 5? Parce que là, je ne veux pas dire, mais... c'est la même chose, quoi. Ah, il y a un truc. Attendez, il y a toujours un truc. Le pont du néon. Oh, traduction française, énorme. Peut-être. Ou pas. Et ça, c'est quoi? C'est un panneau. Bon, et bah, y a rien. On retourne la porte. D'accord, j'ai pas le choix de traverser. Ok, je peux pas traverser. Bon, très bien, si tu veux le jeu. Oh, c'est... Oh, il y a un magatana géant. C'est beau.
Moi aussi. Ouais, dans les croyances, c'est comme ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Bonjour madame, vous êtes? Vous avez une tête de méchante, est-ce que vous allez tuer quelqu'un? Est-ce que vous allez tuer quelqu'un? Est-ce que vous allez mourir? Oui. Élise Donim. Élise Donim. Élise Donim. Je vois pas le jeu de mots. Il y en a peut-être pas. Si, alors, c'est qui? Voilà. Clin d'œil, référence, épisode d'avant, hein. Délire. Non, je connais pas ce personnage. Non, je sais pas qui c'est. Et je m'en fous. Presque. Ça explique des choses. En tout cas, cette petite musique de thème est... délicieux. On pourrait faire danser Dalsim dessus. D'accord, ça explique des choses. Vous semblez un petit peu vieille par contre. D'accord. Waouh. Bien sûr. Un apprenti. Oh, ça alors. Laurence. Laurence de Nîmes. Laurence de Nîmes. C'est un de vos enfants? Et pourquoi choisir cet endroit si spirituel? D'accord. Plus japonais. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plus japonais? Plus traditionnel peut-être. Ah d'accord, oh c'est pas ta vraie tenue. Putain, tu m'as fait peur. D'accord, c'est, je comprends mieux. Une améthyste. La taille de cette améthyste est assez grosse. D'accord. Allez, Perle, va jouer. Allez jouer. Moi, j'ai des affaires plus importantes. Elle a dit non. Bon, très bien. C'est quoi? Un plan. Alors, je pense vraiment, à cet instant précis, je pense vraiment que le jeu essaie de me faire passer un message subliminal en me disant « Tu vois l'affaire 4 ? Eh ben ça va avoir un rapport avec l'affaire 5. » Mais temple intérieur. Putain, j'y étais il y a 5 minutes. On fait demi-tour, même si gèle.
Oui, allez, va jouer, perdre. Oui. Moi, je vais d'abord voir ce Makatana ultra géant de ouf. Déjà, je veux voir ça. Un Makatana géant. Est-ce que ce pouvoir... Ça se trouve, c'est même pas des verrous psychiques, tu vois. La personne devient un cadenas entier. Allez, on fait demi-tour. Encore. Et bah, il se passe des choses. Elle est plus là, la bioc. Je sais pas. Pour seconder l'autre conne. Non, elle s'appelle pas Iris. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Maya? J'ai un problème. Il y a un problème, Maya, peut-être. C'est ça. Dis-le qu'il y a un problème. Des traces de... Qu'est-ce que c'est que ceci? Des traces de pas. Il y a des traces de pas ici. Bon. Ah, il y a une corde là pour ce... Bon, d'accord. Terre Maya. Waouh. Oh, ce passement d'image était magnifique. Ah, on aura tout vu, lol. Là, c'est ouvert, vite! Alors, on va se déplacer. C'est très lugubre. Très très lugubre. Ha, lol. Oui, je sens quelque chose. C'est peut-être parce qu'il fait un peu plus froid. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai reconnu. Tu m'auras pas. Tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Toi. Shoryuken, Shoryuken, Shoryuken. Oui, Shuriken dans ta gueule, Shuriken dans ta gueule. Mets-lui un pain, mets-lui un pain, mets-lui un pain. Mets-lui un pain, putain. Je vais te défoncer ta gueule. Je suis pas content. C'est bon, je suis pas content. C'est elle. Je suis pas content du tout. Fouillons les placards, ça va me détendre. Il y a quoi dans ce tiroir? Quoi? J'étais là-bas. Si seulement c'était ça. Calme-toi.
Oui. Pardon? Pardon, comment ça? Effectivement. Ça, par contre, c'est intéressant. Alors, observons cette porte. C'est fermé. Alors, les clins d'œil sur l'affaire de masque de masque, j'ai compris, merci, mais arrêtez. Ah, lol, c'est drôle, t'as vu. Et là, il y a un trou. Il y a un trou. Ok, tout le monde se fout du trou. Non, mais. On s'en fout du trou. Très bien, donc on va partir. Alors, j'examine, hein, je regarde. Il peut se passer des trucs. Ça, c'est des fleurs, c'est des trucs, c'est une corde. Ça, c'est intéressant, par contre. Et ça. Mais non. Je ne sais pas. Donc là, on s'en fout, il n'y a rien. Très bien. Donc on va peut-être pouvoir s'attaquer au. Alors si là il n'y a rien, je vais pouvoir m'attaquer vite fait. Il y a quelque chose. Merde. Bon, après ça, je vais prendre 5 minutes pour vous parler de la série. Parce que je vous l'ai dit, je n'ai rien dit jusque-là. Encore un personnage inconnu. Vite. Paul. Salaud. Salut. Enfin, salut. Connard. Pute. Merde. Non mais Paul, je t'ai reconnu. Reviens, ici. Bonjour Paul. Tu es devenu peintre? C'est cool. Paul, je t'ai reconnu, connard. Oui, il t'appelle Maxime mes couilles sur ton front. Oui. Donc, je vais parler vite fait de la série. Gekiden Saiban, pour ceux qui ne savent pas, c'est le jeu. Il y a eu un film live dessus que je vous recommande. Il y a eu 3 pièces, 3 live action théâtrales. Il y a eu la série. La série se compose de 25 épisodes qui comprend le volet 1 et 2 des jeux. C'est pas fan service, ça suit juste la trame principale, mais quand je dis principale, c'est-à-dire que les affaires durent en moyenne 2 à 3 épisodes. Ça se contente d'aller au principal, il n'y a quasiment aucun fan service. Tout le volet de. Tous les épisodes qui concernent le volet de l'épisode 1 sont très bien représentés. Il y a même à la fin un épisode bonus où on comprend l'amitié qui relie Phoenix, Paul et Benjamin Hunter. Ensuite, on a la trame du second volet avec les affaires que je m'en rappelle parce que je m'en souviens plus. Je sais qu'il y a la 4 avec Burning the Killer, il y a celui avec comment il s'appelle le magnifique là qui s'appelle Pierre Pojack, voilà, le circulaire. Il y a l'affaire 2, je ne sais plus comment il s'appelle, et je crois que c'est tout.
zéro fanservice, ils n'ont pas mis le Magatana dans l'épisode du second volet, ce que je trouve assez bien. Une très légère référence cependant au verrou psyché qui dure 3-4 secondes. Sinon, je vous le conseille, il est très bien. Même la bonne fin, je dis bien bonne fin du second dernier chapitre du second volet est fait à merveille, parce qu'il y a une fausse fin que je ne ferai pas parce qu'il y a internet. Mais je vous le recommande, c'est disponible sur internet, hein, je vais pas vous donner le site parce que je suis pas un sponsor. Bref, voilà, Kikuten Saiban animé, c'est cool, allez le regarder. Ça a pris 2 minutes, c'était tant mieux. Donc, discutons. Alors, pourquoi ? Je veux comprendre. Encore ? Une feuille vierge. Ah, la toile blanche, vierge, tout ça. Oui, voilà, masque, donc je l'ai expliqué. Pourquoi ? Je ne sais plus ce que tu as fait. Livre du destin. Wow. La bouteille magique. Ah d'accord. D'accord. Et donc, Élise. Parle-moi d'Élise. Oh, j'ai déjà entendu ce discours. Elle tient quoi dans la main? Je rigole! Fous-toi de moi, Paul. Mais merde, mais pourquoi tu es aussi con? Notre fille? Non. Est-ce que Paul va être mêlé à cette affaire? Vous le saurez la prochaine fois. Non, on va quand même aller jusqu'au bout. Merde. Non, je vais te présenter quelqu'un. Tu vas me dire qui est. Je pense que c'est elle, tiens. Est-ce que ce serait pas elle? Voilà, c'est elle. Ah, on est dans la merde. Une naine, enfin une naine entre guillemets. Non, ouais Paul, hein. Ah, seconde de réflexion. Ah, y'a un mais. Mais. Je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Ah, on mange. Ça, on mange. Dis-moi qu'on mange, s'il te plaît. J'ai la dalle. Cool. Donc, on sera 1, 2, 3. Paul. Les deux sœurs. Et l'autre, Élise. Donc, on est 7. Très bien. C'est donc un huis clos. J'espère. Ce petit flash forward, magnifique. Hein, comme je pense, comme tuer des gens, te mettre dans une situation inutile. Tu fais partie des personnes pour lesquelles je sens que ça va arriver. Avec Paul Defesse. Toi, tu aimes. Alors attention, je prédis, elle va cacher des trucs. Elle, soit c'est la méchante, soit elle va mourir.
toi tu vas être dans la merde. Et Perle, elle va m'aider. Je vais tellement te défoncer la gueule, Iris. Si c'est ton vrai prénom. J'espère. C'est la sœur bikini qui va être coupable. Elles sont complices. Et toi tu vas m'aider. Déjà. Toi, soit tu vas voir des choses, soit tu vas cacher des trucs. Soit tu vas me pourrir la vie. Tu sais pas lire à ton âge. C'est décidément un problème. Alors Paul, hein, et si on entre à m'en parler un peu de femme, hein? Ah ben non, j'ai oublié, ça ne t'intéresse plus. Comment ça se lit? Disparaître. Retire. On a déjà mangé en fait. Je crois que c'était ce que ça voulait sous-entendre au début. Eh ben, allons dormir. 21h12. Ok, il fait donc techniquement nuit. Mr. Wright. Allons avoir droit à une intrigue amoureuse nulle. Ok, perdez pas là, tu es donc innocente. Tu n'es plus innocente. Le vrai mystère, c'est... c'est toi le mystère. Qu'est-ce que tu fous là? Non, hey, reviens. Et pas bouger. Oh putain. Iris, non, putain. Elle est partie. Restons calmes. Restons très calmes. Ne gaspillons pas cette chance. Restons calmes. Je vais défoncer ta gueule! Pardon, je me suis emporté, c'est pas moi. D'accord, tu mens! Pardon. Ça se tient. Mais vous n'êtes jamais allé à l'université? Non? Par exemple. Hein? Un petit peu. Ouais. Et ta teinture, hein? C'est pas un petit peu bizarre? Parce que normalement il me semble que t'es rousse. Hein? C'est bizarre. Je te fixe. Essaye de déceler quelque chose. Oh, on se calme. Zut, j'ai utilisé tous les sujets de discussion, elle va partir. Oui. D'accord. Très bien. D'accord. J'ai toujours pas confiance en toi. Alors soit je me trompe, soit tu joues extrêmement bien la comédie. Une seconde. Oui. Oui? Comment tu le sais? Alors?
Alors, vas-y. Ça, dis-moi ta vérité. On s'est déjà vu, n'est-ce pas? Du coup. Je le savais! Le boss! Je vais te défoncer ta gueule. Je suis énervé. Comptons jusqu'à 10. Où sont les 7 autres? Et je dors. Et un mort. Voilà, le mort est arrivé. C'est pas du tout la bonne musique appropriée en fait. Du coup, je danse un petit peu dessus. Alors, le mort c'est. Et le mort est. Dexim! Eh oui! Je le savais. Squish. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un téléphone qui a 20 minutes évidemment. Je ne l'ai pas sur moi. Iris va. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles là, Iris? Le téléphone n'a pas de tonalité. Il est en feu. Paul, merci de réagir. S'il te plaît. Allez. Ta gueule, Rance. La ferme. Je suis un fou. Allez, appelle la police. Et là. Plouf. Oh, magnifique. Suis-je mort? C'est tout? Bon. Bon. Et ben, c'est terminé. C'est abrupt. C'est très abrupt. Mais que dire dessus en fait? Ok, voyons. Alors, je savais qu'il allait y avoir un mort. J'avais deviné à peu près qui c'était. Je pense que soit Iris est vraiment Dayla Plantule, soit c'est quelqu'un d'autre, c'est un swap color. Mais alors, je pense que finir là-dessus, je pense que le mieux serait de finir sur le cri qui a percé le silence, comme ça, paf, plein de questions. Sauf que là, c'est juste un cri a percé le silence, enfin. Très franchement, ça annonce du beau. Là, Iris, on sait que c'est le boss, on sait que c'est le boss final, on sait qu'il va y avoir le bon gros combat psychique de malade. Le ton est donné, les personnages sont posés, la statue de Amnify avec le Sachisito, j'arrive à le dire. Et là, le mort est là, tout est posé, bref. Je suis impatient de continuer. Même si la fin a un petit peu redescendu ma motive. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager si vous avez envie.
Si c'est le premier, si c'est la première vidéo que vous regardez, je vous conseille d'aller checker le contenu que je produis et voir si ça vous plaît. Et si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter, @Zralus1. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine.